Je vais vous lire Jacques d'Amour de Zola, chapitre 5, donc le dernier chapitre de la nouvelle. Dans la rue, d'Amour se mit à marcher si vite que Béru avait de la peine à le suivre. Le peintre enragé. Au boulevard des Batignolles, quand il vit son compagnon, les jambes cassées, se laisser tomber sur un banc et rester là, les joues blanches, les yeux fixes, il lâcha tout ce qu'il avait sur le cœur. Lui aurait au moins giflé le bourgeois et la bourgeoise. Ça le révoltait de voir un mari céder ainsi sa femme à un autre sans faire seulement des réserves. Il fallait être joliment godiche. Oui, godiche, pour ne pas dire un autre mot. Et il citait un exemple, un autre communard qui avait trouvé sa femme collée avec un particulier. Eh bien, les deux hommes et la femme vivaient ensemble, très d'accord. On s'arrange, on ne se laisse pas dindonner, car enfin, c'était lui le dindon dans tout cela. Tu ne comprends pas, répondait d'Amour. Va-t'en aussi, puisque tu n'es pas mon ami. Moi, pas ton ami, quand je me suis mis en quatre. Raisonne donc un peu, que vas-tu devenir? Tu n'as personne, te voilà sur le pavé ainsi qu'un chien, et tu crèveras si je ne te tire d'affaire. Pas ton ami? Mais si je t'abandonne là, tu n'as plus qu'à mettre la tête sous ta patte comme les poules qui ont assez de l'existence. D'Amour eut un geste désespéré. C'était vrai, il ne lui restait qu'à se jeter à l'eau ou à se faire ramasser par les agents. « Eh bien, continua le peintre, je suis tellement ton ami que je vais te conduire chez quelqu'un où tu auras la niche et la pâtée. » Et il se leva, comme pris d'une résolution subite. Puis il emmena de force son compagnon qui balbutiait. « où donc, tu le verras. Puisque tu n'as pas voulu dîner chez ta femme, tu dîneras ailleurs. Mets-toi bien dans la caboche que je ne te laisserai pas faire deux bêtises en un jour. » Il marcha vivement, descendant la rue d'Amsterdam. Rue de Berlin, il s'arrêta devant un petit hôtel, sonna et demanda au valet de pied qui vint ouvrir si Madame de Souvigny était chez elle. Et comme le valet hésitait, il ajouta « Allez lui dire que c'est Béru. » D'Amour le suivait machinalement. Cette visite inattendue, cet hôtel luxueux, achevait de lui troubler la tête. Il monta. Puis tout à coup, il se trouva dans les bras d'une petite femme blonde, très jolie, à peine vêtue d'un peignoir de dentelle. Et elle criait « Papa, c'est papa !» Ah, que vous êtes gentil de l'avoir décidé. Elle était bonne fille, elle ne s'inquiétait point de la blouse noire du vieil homme, enchantée, battant des mains dans une crise soudaine de tendresse filiale. Son père, saisi, ne la reconnaissait même pas. Mais c'est Louise, dit Béru. Alors il balbutia. Ah oui, vous êtes trop aimable. Il n'osa la tutoyer. Louise le fit asseoir sur un canapé, puis elle sonna pour défendre sa porte. Lui, pendant ce temps, regardait la pièce tendue de cachemire, meublé avec une richesse délicate qui l'attendrissait. Et Béru triomphait, lui tapait sur l'épaule en répétant « Hein, diras-tu encore que je ne suis pas un ami? Je savais bien, moi, que tu aurais besoin de ta fille. Alors je me suis procuré son adresse et je suis venu lui conter ton histoire. Tout de suite, elle m'a dit « Amenez-le !» Mais sans doute, ce pauvre père, murmura Louise d'une voix câline. « Oh, tu sais, je l'ai en horreur, ta République, tous des sales gens, les communards, et qui ruineraient le monde si on les laissait faire. » « Mais toi, tu es mon cher papa. Je me souviens comme tu étais bon quand j'étais malade, toute petite. Tu verras, nous nous entendrons très bien pourvu que nous ne parlions jamais de politique. D'abord, nous allons dîner tous les trois. Ah, que c'est gentil !» Elle s'était assise presque sur les genoux de l'ouvrier, riant de ses yeux clairs, ses fins cheveux pâles envolés autour des oreilles. Lui, sans force, se sentait envahi par un bien-être délicieux. Il aurait voulu refuser parce que cela ne lui paraissait pas honnête de s'attabler dans cette maison. Mais il ne retrouvait plus son énergie de tout à l'heure, lorsqu'il était parti de chez la bouchère, sans même retourner la tête, après avoir trinqué une dernière fois. Sa fille était trop douce, et ses petites mains blanches posées sur les siennes l'attachaient. « Voyons, tu acceptes ?» répétait Louise. « Oui, » dit-il enfin, pendant que deux larmes coulaient sur ses joues creusées par la misère. Béru le trouva très raisonnable. Comme on passait dans la salle à manger, un valet vint prévenir madame que monsieur était là. « Je ne puis le recevoir, » répondit-elle tranquillement. « Dites-lui que je suis avec mon père. Demain à 6 heures, s'il veut. » Le dîner fut charmant. Béru l'égaya par toutes sortes de mots drôles dont Louise riait aux larmes. Elle se retrouvait rue des Envierges et c'était un régal. D'Amour mangeait beaucoup, alourdi de fatigue et de nourriture. Mais il avait un sourire d'une tendresse exquise chaque fois que le regard de sa fille rencontrait le sien. Au dessert, ils burent un vin sucré et mousseux comme du champagne qui les grisa tous les trois. Alors, quand les domestiques ne furent plus là, les coudes posés sur la table, ils parlèrent du passé avec la mélancolie de leur ivresse. Béru avait roulé une cigarette que Louise fumait, les yeux demi-clos, le visage noyé. Elle s'embrouillait dans ses souvenirs, en venait à parler de ses amants, du premier,
un grand jeune homme qui avait très bien fait les choses. Puis elle laissa échapper sur sa mère des jugements pleins de sévérité. « Tu comprends, » dit-elle à son père, « je ne peux plus la voir, elle se conduit trop mal. Si tu veux, j'irai lui dire ce que je pense de la façon malpropre dont elle t'a lâché. » Mais D'Amour gravement déclara qu'elle n'existait plus. Tout à coup, Louise se leva en criant. « À propos, je vais te montrer quelque chose qui te fera plaisir. » Elle disparut, revint aussitôt, sa cigarette toujours aux lèvres, et elle remit à son père une vieille photographie jaunie, cassée aux angles. Ce fut une secousse pour l'ouvrier, qui, fixant ses yeux troubles sur le portrait, bégaya. « Eugène, mon pauvre Eugène !» Il passa la carte à Beru et celui-ci, pris d'émotion, murmura de son côté. « C'est bien ressemblant. » Puis, ce fut le tour de Louise. Elle garda la photographie un instant, mais des larmes l'étouffèrent. Elle la rendit en disant « Oh, je me rappelle, il était si gentil !» Tous les trois, cédant à leur attendrissement, pleurèrent ensemble. Deux fois encore, le portrait fit le tour de la table, au milieu des réflexions les plus touchantes. L'air l'avait beaucoup pâli. Le pauvre Eugène, vêtu de son uniforme de garde nationale, semblait une ombre d'émeutier, perdue dans la légende. Mais, ayant retourné la carte, le père lut ce qu'il avait écrit. Un couteau à dessert au-dessus de sa tête, il refit son serment. « Oui, oui, je te vengerai !»« Quand j'ai vu que maman tournait mal, » raconta Louise, « je n'ai pas voulu lui laisser le portrait de mon pauvre frère. Un soir, je le lui ai chipé. C'est pour toi, papa, je te le donne. » D'Amour avait posé la photographie contre son verre et il la regardait toujours. Cependant, on finit par causer raison. Louise, le cœur sur la main, voulait tirer son père d'embarras. Un instant, elle parla de le prendre avec elle, mais ce n'était guère possible. Enfin, elle eut une idée. Elle lui demanda s'il consentirait à garder une propriété qu'un monsieur venait de lui acheter près de Mantes. Il y avait là un pavillon où il vivrait très bien, avec 200 francs par mois. « Comment donc ? Mais c'est le paradis !» cria Beru qui acceptait pour son camarade. « S'il s'ennuie, j'irai le voir !» La semaine suivante, D'Amour était installé au Bel Air, la propriété de sa fille, et c'est là qu'il vit maintenant, dans un repos que la Providence lui devait bien après tous les malheurs dont elle l'a accablé. Il engraisse, il refleurit, bourgeoisement vêtu, ayant la mine bonne enfant et honnête d'un ancien militaire. Les paysans le saluent très bas. Lui chasse et pêche à la ligne. On le rencontre au soleil, dans les chemins, regardant pousser les blés, avec la conscience tranquille d'un homme qui n'a volé personne et qui mange des rentes rudement gagnées. Lorsque sa fille vient avec des messieurs, il sait garder son rang. Ses grandes joies sont les jours où elles s'échappent et où ils déjeunent ensemble dans le petit pavillon. Alors, il lui parle avec des bégaiements de nourrice, il regarde ses toilettes d'un air d'adoration. Et ce sont des déjeuners délicats, toutes sortes de bonnes choses qu'il fait cuire lui-même, sans compter le dessert. Des gâteaux et des bonbons que Louise apporte dans ses poches. D'Amour n'a jamais cherché à revoir sa femme. Il n'a plus que sa fille qui a eu pitié de son vieux père et qui fait son orgueil et sa joie. Du reste, il s'est également refusé à tenter la moindre démarche pour rétablir son état civil. À quoi bon déranger les écritures du gouvernement ? Cela augmente la tranquillité autour de lui. Il est dans son trou, perdu, oublié, n'étant personne, ne rougissant pas des cadeaux de son enfant. Tandis que, si on le ressuscitait, peut-être bien que des envieux parleraient mal de sa situation et que lui-même finirait par en souffrir. Parfois, pourtant, on mène grand tapage dans le pavillon. C'est Beru qui vient passer des 4 et 5 jours à la campagne. Il a enfin trouvé chez D'Amour le coin qu'il rêvait pour se goberger. Il chasse, il pêche avec son ami, il vit des journées sur le dos, au bord de la rivière. Puis le soir, les deux camarades causent politique. Beru apporte de Paris les journaux anarchistes et après les avoir lus, tous deux s'entendent sur les mesures radicales qu'il y aurait à prendre. Fusiller le gouvernement, pendre les bourgeois, brûler Paris pour rebâtir une autre ville, la vraie ville du peuple. Ils en sont toujours au bonheur universel, obtenu par une extermination générale. Enfin, au moment de monter se coucher, D'Amour, qui a fait encadrer la photographie d'Eugène, s'approche, la regarde, brandit sa pipe en criant « Oui, oui, je te vengerai !» Et, le lendemain, le dos rond, la face reposée, il retourne à la pêche tandis que Beru, allongé sur la berge, dort le nez dans l'herbe. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.